Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Principalement, n'est-ce pas, sur votre émission Réveillez-vous. Vous savez, c'est le temps où, n'est-ce pas, nous devons nous réveiller du sommeil, comme nous le disent les Écritures. Et avant de commencer, n'est-ce pas, je crois que ce soir, le Seigneur parlera encore à nos cœurs. Le Seigneur va nous interpeller. Vous savez, la Bible dit que le souhait du Seigneur, n'est-ce pas, c'est que toute personne, n'est-ce pas, parvienne à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que toute personne, n'est-ce pas, soit sauvée, n'est-ce pas, en acceptant Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Alors nous allons présenter ces moments entre les mains de Yahweh, afin que le Seigneur nous guide, que la chair se taise, n'est-ce pas, et que l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, prenne le contrôle, afin de nous parler, n'est-ce pas, de nous édifier, de nous interpeller, parce que le retour de notre Seigneur est imminent. Prions au nom de Yeshua. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ces temps d'édification, ces temps de partage. Papa, nous voulons que tu parles encore à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole, Père, à sortir des distractions et à fuir, n'est-ce pas, les pièges que le diable met autour de nous, n'est-ce pas, afin de nous garder, n'est-ce pas, dans l'ignorance, dans la captivité. Papa, sois au contrôle, au nom de Yeshua. Amen. Alors, comme je vous le disais, vous êtes en direct, n'est-ce pas, sur votre émission, n'est-ce pas? Réveillez-vous, réveillez-vous. Dans Éphésiens, n'est-ce pas? On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. Voilà. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi c'est là qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous voyez? Donc, je lis dans la version Louis II, et en direct, n'est-ce pas, vous aurez la possibilité de lire la version BJC. Alors, Paul, n'est-ce pas, nous demande ici, n'est-ce pas, de nous réveiller du sommeil. Vous voyez? Et le monde, n'est-ce pas, est assoupi. Et lorsqu'on parle de l'assoupissement, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec l'assoupissement physique que nous connaissons, et l'assoupissement, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup, n'est-ce pas, ont du mal à cerner les temps dans lesquels nous sommes. Voyez, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, dans un temps où le péché bat son comble, où beaucoup, n'est-ce pas, s'éloignent, n'est-ce pas, de leur créateur. Parce que le diable a mis beaucoup, n'est-ce pas, des mécanismes en place pour maintenir le plus grand nombre, n'est-ce pas, dans un état de sommeil profond. Voyez, et lorsque la Bible, n'est-ce pas, parle du sommeil, le sommeil n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que d'être dans le péché, incapable de pouvoir cerner, n'est-ce pas, quelle est la volonté du Seigneur par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et Paul, n'est-ce pas, dans ce passage, dans Éphésiens 5, 14, n'est-ce pas, nous interpelle à nous réveiller, n'est-ce pas, du sommeil, à sortir du sommeil. Ouais, ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de dormir, n'est-ce pas, d'être dans un profond sommeil. Sinon, frère, nous n'allons pas saisir tout ce qui est en train de se passer. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que des interpellations que le Seigneur mais, n'est-ce pas, devant ses enfants, devant son peuple, afin, n'est-ce pas, de cerner et de comprendre le temps dans lequel nous sommes et quelle attitude, n'est-ce pas, nous devons avoir, n'est-ce pas, par rapport au temps présent, par rapport au temps que nous vivons. Alors, donc, le thème de ce soir, n'est-ce pas, nous allons partager sur qui est réellement enfant de Elohim, qui est réellement enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup, n'est-ce pas, le fait de fréquenter une assemblée, ou bien beaucoup parfois dans nos quartiers, dans nos familles, tout le monde se dit, je suis enfant d'Elohim, je suis enfant de Dieu. Maintenant, que nous disent les Écritures, n'est-ce pas, par rapport à cette thématique, par rapport à cette question? Réellement, pour beaucoup, tout le monde se dit, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que la pensée que nous avons, n'est-ce pas, est-ce qu'elle épouse, n'est-ce pas, voyez un peu, la parole? Alors, je crois que ce soir, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures, le Seigneur va encore nous éclairer afin de sortir, bien sûr, du sommeil. Parce que si on n'est pas éclairé, n'est-ce pas, c'est qu'on va continuer à nourrir des faux espoirs. On va continuer, n'est-ce pas, à nourrir des idées qui sont fausses. Et ces idées-là, n'est-ce pas, ne pourront pas nous aider, mais plutôt, elles pourront nous amener, n'est-ce pas, à nous retrouver loin du Seigneur. Et ce n'est pas, je crois que ce n'est pas la pensée du Seigneur, bien sûr. Et ce n'est pas aussi, n'est-ce pas, ce que vous voulez. Donc voilà pourquoi le Seigneur permet que ce soir, n'est-ce pas, nous puissions partager sur ce thème qui est enfant d'Élohim. Alors, on va commencer par Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, au commencement. Genèse chapitre 2,
à partir du verset 26. Dans Genèse 2, à partir du verset 26. Gloire à Yeshua. Genèse chapitre 2, à partir du verset 26. Alors, je vais faire la lecture dans Genèse chapitre 2, à partir du verset on va lire à partir du verset 23 au verset 24, 25, excusez-moi. Alors, la Bible dit dans Genèse 2, verset 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, alors, il est écrit, la Bible dit, puis Yahweh dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons, n'est-ce pas, la lumière de l'Écriture, n'est-ce pas, le type d'homme, n'est-ce pas, que Yahweh, que le Créateur a voulu avoir. Ça veut dire qu'un homme qui est fait à son image, à sa ressemblance, vous voyez, et étant la ressemblance de Yahweh, alors il allait dominer, n'est-ce pas? Il allait dominer sur la terre, sur les poissons, sur le bétail, ainsi de suite. Vous voyez? Et au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu, n'est-ce pas, va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous savons que l'image de Dieu, de Yahweh, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que Yehoshua, n'est-ce pas, selon Colossiens chapitre 1 verset 15, la Bible nous dit que Christ est l'image, Christ, Yahweh, Yehoshua est l'image, n'est-ce pas, de Elohim invisible. Donc, en fait, Dieu, n'est-ce pas, quand il a créé l'homme, n'est-ce pas, il s'est inspiré de qui de Yehoshua. Yehoshua, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc, on comprend qu'en fait, l'homme que Yahweh, que Elohim a voulu avoir, n'est-ce pas, c'était un homme qui était créé à son image, à sa ressemblance. Mais étant créé à l'image et à la ressemblance de Yahweh, alors on allait dominer. L'homme avait un certain pouvoir, il avait l'autorité, n'est-ce pas, de pouvoir dominer. Et le premier homme qui a été créé, n'est-ce pas, comme nous le connaissons tous, c'est bien sûr Adam. Et quand on parle d'Adam, n'est-ce pas, Adam signifie aussi terrien. Ça veut dire que celui qui a été tiré de la terre. Vous voyez? Et nous savons que, à la lumière des Écritures, Adam, n'est-ce pas, est passé à côté de la mission qu'il avait reçue de son Créateur. Vous voyez? Et la Bible dit que toute la création a été, n'est-ce pas, livrée à la corruption à cause de l'échec de Adam. Alors donc, il était nécessaire, n'est-ce pas, pour Yahweh, vous voyez, de trouver un moyen pour racheter l'homme, puisque l'homme avait perdu, n'est-ce pas, sa condition initiale. L'homme avait perdu son identité. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, a mis, n'est-ce pas, un plan en marche pour racheter l'homme, n'est-ce pas, qui était sorti de son plan. Et dans Romains chapitre 6, on va le lire, Romains chapitre 6, épître de Paul aux Romains. Ouais, dans Romains chapitre 6. Voilà, nous allons lire à partir du verset 14, Romains chapitre 6, verset 14. Voilà, la Bible dit dans Romains 6, 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » La Bible dit que le péché, voyez un peu, la mort a régné, n'est-ce pas, depuis Adam jusqu'à Moïse. Non, c'est plutôt Romains chapitre 5, verset 14. Ceux qui sont à la régie, Romains chapitre 5, verset 14. Et on a pris Romains 6, 14. Non, c'était plutôt le bon verset, c'est Romains chapitre 5, verset 14. Voilà. Alors, la Bible dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, la Bible dit que de Adam, n'est-ce pas, la mort a régné.
Et dans Romains 3, 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim, de la gloire de Yahweh. Donc, à cause du péché d'Adam, n'est-ce pas, frère, n'est-ce pas, la création, n'est-ce pas, a été soumise à quoi? On a été soumis, quoi, à la vanité, au péché. Tout le monde, n'est-ce pas, est né, n'est-ce pas, avec la semence du péché, parce que nous sommes tous tirés, n'est-ce pas, de Adam. Voyez? Et maintenant, n'est-ce pas, alors, Elohim a mis en place un plan de rédemption, un plan de rachat. Voyez? Alors, donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, pour comprendre réellement qui est enfant d'Elohim, nous devons nous appuyer sur les Écritures. Sur, n'est-ce pas, l'héritage que notre Seigneur nous a laissé, la parole. Ça veut dire que si nous ne nous appuyons pas sur la parole, il nous sera difficile de pouvoir cerner et de comprendre, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de nous et qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer? Oui, pour beaucoup, aujourd'hui, vous allez, beaucoup, le fait de fréquenter un bâtiment qu'on appelle par abus de langage, église, un peu, ou, alors, automatiquement, ça fait de nous enfants d'Elohim. Mais ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Un peu, aujourd'hui, le fait, n'est-ce pas, d'être né de papa et de maman, n'est-ce pas, on se dit non, je suis enfant d'Elohim, je suis enfant de Dieu, mais ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Nous sommes tous créatures d'Elohim, vous voyez, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, nous sommes tous créatures, n'est-ce pas, d'Elohim, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, parce que à cause de, n'est-ce pas, du péché de Adam, vous voyez un peu, alors, Dieu a prévu un moyen, un autre moyen, n'est-ce pas, par lequel nous avons maintenant la possibilité en nouveau, n'est-ce pas, d'être enfant d'Elohim. Parce qu'à cause, n'est-ce pas, de ce péché-là, on a été déconnecté, on a été coupé, n'est-ce pas, on a perdu la relation qu'on avait avec notre Créateur. Elle a été complètement cassée, elle a été complètement, n'est-ce pas, perdue à cause du péché. Et le Seigneur Elohim a trouvé un moyen, n'est-ce pas, un autre moyen pour nous réconcilier avec lui. Et cet autre moyen, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que Yéhoshua. Donc, Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, évangile de Jean, on va rentrer pleinement, n'est-ce pas, dans le sujet de Jean chapitre 1, évangile de Jean chapitre 1. Voilà, on va lire à partir du verset 9. À partir du verset 9. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. En elle, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, oui, au verset 12, dans la version Louis II, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Elohim, enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh. Vous voyez, ici, la Bible nous dit que ceux qui ont reçu la parole, et cette parole-là qui s'est faite chair, n'est-ce pas, c'est qui? C'est Yéhoshua, n'est-ce pas, qui a habité, n'est-ce pas, parmi nous, plein de grâce. C'est Yéhoshua Mashiach, un peu Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, n'est-ce pas, qui s'est, cette parole-là qui s'est faite chair. Et la Bible dit que tous ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, cette parole-là, n'est-ce pas, alors cette parole-là leur a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfants de Elohim. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas parce que tu es né de papa et de maman, n'est-ce pas, qui te donne, n'est-ce pas, la position d'enfant d'Elohim ou enfant de Dieu. Non. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, au verset 13, il dit, non du sang. Ça veut dire que nous ne sommes pas enfants d'Elohim, n'est-ce pas, de la volonté du sang. Vous voyez, ni de la volonté de la chair. Vous voyez, ni de la volonté de l'homme. Vous voyez, donc nous ne pouvons pas devenir enfants d'Elohim, n'est-ce pas, par la volonté de l'homme. Parce que nous sommes sortis de papa, de maman, ainsi de suite. Non. Vous voyez, nous le devenons, n'est-ce pas, par le plan que le Seigneur a mis en marche, n'est-ce pas. Et ce plan, n'est-ce pas, qui fait de nous enfants d'Elohim, n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, que Yéhoshua. Tous ceux qui ont reçu Yéhoshua, tous ceux qui ont cru en lui, n'est-ce pas, deviennent enfants d'Elohim. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une vérité que beaucoup n'arrivent pas à cerner. Parce qu'il y a tellement, n'est-ce pas, des évangiles, il y a tellement des prédications, il y a tellement des évangiles, n'est-ce pas, que nous recevons. Et ces évangiles-là, n'est-ce pas, qui nous éloignent de l'évangile, de la parole véritable.
Et c'est lorsque cette parole-là, n'est-ce pas, elle est réellement enseignée et que nous rentrons en contact avec cette parole, elle nous éclaire, donc littéralement, elle nous sort, elle nous réveille, elle nous sort du sommeil. Vous savez, il y a beaucoup qui sont comme s'ils étaient dans un coma spirituel. Ça veut dire qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, le moment dans lequel ils sont. Ils n'arrivent pas à discerner les temps dans lesquels ils se trouvent. Un peu, les gens sont endormis. Ouais, le diable a tellement mis une séduction en marche, n'est-ce pas? Et cette séduction fait que beaucoup, n'est-ce pas, n'arrivent pas à se retrouver. Et le seul moyen, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a laissé, ouais, n'est rien d'autre que la parole. Et la parole nous dit que nous devenons enfants des Elohim, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu, par le plan de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est accompli par Yeshua, en mourant à la croix, n'est-ce pas, et ressuscité le troisième jour. Oui, et tous ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, cette parole-là, qui n'est rien d'autre que Yeshua, n'est-ce pas, alors ils deviennent automatiquement enfants des Elohim. Oui, et dans Jacques chapitre 1, verset 18, dans les épîtres de Jacques, chapitre 1, nous allons lire le verset 18. Jacques 1, 18. Ouais, la Bible nous dit, il est écrit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ouais. Donc la Bible dit que nous avons été engendrés par la parole. Et quelle parole? La parole de vérité. Pas un évangile biaisé, pas un évangile édulcoreux, pas un évangile falsifié, pas un évangile qui nous présente le mariage, qui nous présente des miracles, qui nous présente, n'est-ce pas, qui s'appuie sur la prospérité. Non, mais un évangile, n'est-ce pas, des vérités, n'est-ce pas, qui est basé sur la personne de Yeshua. Parce que la vérité n'est rien d'autre que Yeshua, que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est en Jésus, n'est-ce pas, que tout le plan de Elohim, n'est-ce pas, trouve son accomplissement. Et c'est lorsque, n'est-ce pas, nous rentrons en contact, n'est-ce pas, lorsque nous prenons connaissance de cette vérité, que automatiquement, n'est-ce pas, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons, n'est-ce pas, en cette parole. Voyez, or aujourd'hui, cet évangile, n'est-ce pas, n'est plus prêché dans beaucoup d'assemblées. C'est l'évangile, n'est-ce pas, qui nous attache à la terre. L'évangile, n'est-ce pas, où les hommes sont élevés. L'évangile, n'est-ce pas, où on nous présente, n'est-ce pas, les biens terrestres. Et cet évangile-là, n'est-ce pas, ne peut pas faire de nous des enfants d'Élohim. Mais au contraire, cet évangile nous éloigne du plan de Yahweh pour nous. Or, Yahweh a un merveilleux plan pour nous. Yahweh veut faire de nous ses enfants. Or, pour devenir enfants d'Élohim, frère, nous avons besoin d'accepter Yeshua dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et en acceptant Yeshua, en écoutant l'évangile véritable, l'évangile de la vérité, pas un évangile édulcoré, pas un évangile falsifié, non, l'évangile de la vérité. C'est cet évangile-là, n'est-ce pas, qui fait de toi un enfant d'Élohim. Et lorsque tu reçois cet évangile-là, frère, alors il y a quelque chose qui s'opère en toi. Vous savez, même Yeshua, n'est-ce pas, a pris la peine, n'est-ce pas, de faire la différence à la lumière des Écritures entre, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas enfants d'Élohim, n'est-ce pas, et ceux qui le sont. Ouais, regardons dans Jean chapitre 3. On va partir dans Jean chapitre 3. Oui, Jean chapitre 3, évangile de Jean chapitre 3. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Oui, on va lire Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Alors, il est écrit, Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, en fait, ici, Jésus, n'est-ce pas, nous met en relève ici deux naissances. Ça veut dire la naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Nous tous, nous naissons, n'est-ce pas, de la chair, par le moyen de papa et maman. Vous voyez un peu? Et ici, Yeshua nous dit aussi, il y a la naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Vous voyez? Et c'est la naissance de l'esprit qui fait de nous les enfants de Elohim, les enfants de Dieu, les enfants de Yahweh. Donc Jésus, n'est-ce pas, a pris la peine d'enseigner ces choses parce qu'il ne voulait pas que son peuple, que les gens demeurent dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, nous savons qu'il y avait des courants, n'est-ce pas? Il y avait des pharisiens, des scribes, des sadducéens
qui étaient des grands docteurs de la loi, qui enseignaient le peuple, mais qui, par leur enseignement, égaraient la multitude, égaraient le plus grand nombre. Et quand Yeshua arrive, un peu, il a pris la peine, n'est-ce pas, de poser la parole, un peu, afin que le peuple soit éclairé, afin que le peuple soit se réveille. Vous voyez, c'est comme si aussi ils étaient endormis. Vous savez, quand on n'est pas dans la vérité, frère, l'endormissement finit par nous prendre et on finit par, n'est-ce pas, par embrasser tout ce qu'on nous présente. Vous voyez, et quand Yeshua arrive, n'est-ce pas, alors il enseigne l'évangile véritable, il enseigne l'évangile pur. Vous voyez, l'évangile, n'est-ce pas, qui était centré, n'est-ce pas, sur Elohim, sur le retour à la crainte de Yahweh, sur le retour à la connaissance, n'est-ce pas, du Créateur. Vous voyez, et ça bouleversait beaucoup, c'était des chocs. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où l'évangile véritable n'est plus prêché. L'évangile, n'est-ce pas, christocentrique, l'évangile, n'est-ce pas, où Yeshua, n'est-ce pas, est au centre, a été retiré de plusieurs assemblées. Vous voyez un peu, on nous enseigne beaucoup d'autres choses, l'évangile du mariage. On voit le message sur le mariage. Le message, c'est quoi? C'est la prospérité. Le message, c'est quoi? C'est l'élévation. Le message, c'est quoi? C'est avoir des grandes voitures, ainsi de suite. Ouais, un peu. Toutes ces choses-là, oui, c'est vrai. Si Yahweh veut, il peut nous les accorder. Mais ce qui est important, c'est d'abord de savoir que nous sommes devenus enfants des Elohim en acceptant Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que, n'est-ce pas, la création a été, n'est-ce pas, livrée au péché, à cause du péché, n'est-ce pas, d'un seul homme, d'Adam. Un peu. Alors, et nous sommes gratuitement, n'est-ce pas, rachetés par la puissance de la croix, la puissance de la résurrection de Yeshua. Un peu. Et c'est en acceptant Yeshua, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, que nous devenons maintenant enfants de Elohim. Frère, nous devons comprendre cette vérité et sortir, n'est-ce pas, du mensonge. Parce que quiconque est dans le mensonge, n'est-ce pas, est aussi endormi. Parce que le mensonge nous maintient dans l'endormissement. Et c'est le temps où, n'est-ce pas, nous devons nous réveiller, n'est-ce pas, du sommeil. Parce que les temps sont mauvais. Tout ce que nous voyons, tous ces signes qui s'accomplissent devant nous, n'est-ce pas, c'est les choses que notre maître avait annoncées d'avance. Alors, le retour de Yeshua est imminent. Yeshua est à la porte. Alors, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. Alors, nous ne devons plus, n'est-ce pas, accepter tout ce qu'on nous présente. Voyez un peu, et sans, n'est-ce pas, vérifier si ça a un fondement biblique. Alors, et l'un des malaises, n'est-ce pas, des chrétiens ou les gens des temps de la fin, c'est quoi? C'est que beaucoup ne méditent pas. Beaucoup n'ont plus le temps, n'est-ce pas, de lire la parole. Beaucoup ne lisent plus la parole. Ils préfèrent, n'est-ce pas, faire confiance aux hommes. Voyez un peu. Alors, d'où, n'est-ce pas, beaucoup se retrouvent dans ces prisons. Voyez un peu. Beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, dans nos mensonges. Voyez, ils sont obligés de croire aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la parole. Et Yeshua nous dit, la parole nous dit, n'est-ce pas, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Ouais, ça veut dire que lorsque nous recevons, n'est-ce pas, Yeshua, au moyen de sa parole, par sa parole, quelle parole? La parole de la vérité. Voyez un peu. Alors, cette parole-là produit un changement en nous. Voyez un peu. La Bible nous dit, ouais, tout à l'heure on disait que Adam, voyez un peu, qui veut aussi dire terrien, ça veut dire que c'est lui qui a été tiré de la terre, un peu de la poussière, littéralement de la poussière. Vous savez, la chair que nous avons, n'est-ce pas, a été tirée de la poussière, de la terre. L'homme a été tiré de la poussière. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous savez, nous sommes, n'est-ce pas, cette terre-là, un peu, qui doit recevoir la semence. Dans Luc chapitre 8, on va regarder Luc, évangile de Luc au chapitre 8, nous allons lire. Il est toujours mieux, n'est-ce pas, de nous appuyer sur la parole. Ouais. Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Alors, la parole nous dit, voici ce que signifie Luc chapitre 8, au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole. Vous voyez? Donc, la parole bibliquement, n'est-ce pas? La parole dans la Bible est comparée à une semence. Et la terre que nous sommes, n'est-ce pas, a besoin de recevoir une semence. Mais quelle est la semence que tu reçois? Et la parole, si la parole est comparée à la semence, ça veut dire que tout ce que tu reçois comme parole, n'est-ce pas, a pour but de produire un fruit dans ta vie. Alors, nous avons besoin d'être ensemencés. Et la semence que tu reçois, n'est-ce pas, doit produire, n'est-ce pas, dans ta vie, son fruit. Ouais, et voilà pourquoi, n'est-ce pas, le diable a mis en place, ouais, un peu,
cet évangile faux, cet évangile édulcoré, n'est-ce pas, pour mettre une semence étrangère dans la vie de plusieurs personnes afin de ne pas porter le véritable fruit. Et beaucoup, n'est-ce pas, ont accepté le mensonge du diable en pensant que c'est le fait d'être chantre, c'est le fait d'aller dans une assemblée, c'est le fait d'appartenir à une dénomination, le fait d'être catholique, musulman, ainsi de suite, qui fait de toi un enfant d'Elohim. Non, non, c'est un mensonge. Vous voyez un peu? Ouais, on vient de lire que nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Donc nous naissons, n'est-ce pas, par la parole de la vérité. Donc on a besoin de recevoir cette parole. Et cette parole-là n'est rien d'autre que Yéhoshua, que Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, si tu n'as pas reçu l'évangile, n'est-ce pas, hein, où Christ est au centre, frère, alors tu as reçu une autre semence. Alors comment savoir que la semence que tu as reçue est la bonne ou bien elle n'est pas la bonne? Alors la Bible va nous enseigner. Alors nous allons prendre nos passages, n'est-ce pas, appui sur le texte de 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 4. Au verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 10. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors la Bible dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus, c'est pas Yéhoshua, apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc ça veut dire que quand nous recevons, n'est-ce pas, cette parole, voyez un peu, qui n'est rien d'autre que Yéhoshua, et cette parole qui est remplie de vie, alors elle nous délivre du péché. Ça veut dire que nous recevons la semence du Seigneur, n'est-ce pas? Et cette semence-là, frère, elle n'a pas de péché. C'est une semence pure, parce que lui-même, il est pur. Vous voyez, au verset 6, la Bible dit, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Petit enfant, verset 7, « Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Elohim apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, Yéhoshua vient en nous, n'est-ce pas, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Parce qu'il veut faire de nous, n'est-ce pas, ses enfants, afin de porter, n'est-ce pas, hein, de porter un autre fruit. Vous voyez, le fruit, n'est-ce pas, du monde, le fruit de la chair, c'est quoi? C'est le péché. Et la Bible nous dit que Yéhoshua, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, vient pour ôter, pour détruire, n'est-ce pas, la vieille semence qui était en nous. Ça veut dire que la semence du diable, la semence du péché. Et au verset 9, il est dit, « Car quiconque est né de Elohim, quiconque est né, verset 9, car quiconque est né de Dieu, n'est-ce pas, ne pratique pas le péché. » Parce que la semence, voyons, on parle encore de la semence ici. La semence de Dieu, n'est-ce pas, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, en fait, ce qui fait la différence, on va lire le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique, ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, pour reconnaître, n'est-ce pas, si tu es enfant d'Elohim ou si tu es enfant de Dieu ou enfant du diable, n'est-ce pas, ce n'est pas aller d'abord dans une assemblée. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la semence qui est en toi? Quelle est la semence qui domine en toi? Quelle est la semence que tu transportes? Parce que la parole, n'est-ce pas, c'est une semence. Ça veut dire que si tu as reçu une semence, n'est-ce pas, en dehors, n'est-ce pas, de l'évangile véritable, alors cette semence, ça va produire quoi? Un fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est le péché. Alors voilà pourquoi en fait vous allez voir que beaucoup qui se disent enfants de Elohim, enfants de Dieu, n'est-ce pas, vivent délibérément dans le péché. Ouais, ils sont dans le concubinage, ils sont dans la masturbation, ils sont dans le vol, ils sont dans l'adultère, ils rectifient l'âge, ouais un peu, ils sont dans les magouilles, dans les fausses déclarations de factures, ainsi de suite. Ouais un peu, ils sont dans des choses horribles, ils pratiquent le péché. Pourquoi? Parce que en fait ils sont aussi quelque part endormis. Parce qu'ils ont reçu une mauvaise semence. Ils n'ont pas reçu la bonne parole, la parole de la vérité, la parole qui est censée, n'est-ce pas, les éclairer, ôter les écailles de leurs yeux.
Et nous sommes arrivés à un temps où, n'est-ce pas, le Seigneur veut nous sortir du sommeil, veut nous réveiller, parce que les temps sont mauvais. Où iras-tu, mon frère, ma soeur? Où passeras-tu ton éternité? Si tu n'as pas Yeshua dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Ouais, les messes des requiem ne pourront pas te sauver. Le purgatoire ne pourra pas te sauver. Encore que le purgatoire n'est rien d'autre qu'un mensonge de l'Église catholique. Ouais, un peu. Ouais, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ces mécanismes que les hommes ont mis en place, ne peuvent pas te sauver. Ouais, le moyen que le Seigneur a permis, n'est-ce pas, pour que tout homme obtienne le pardon de ses péchés, n'est-ce pas, c'est en Yeshua. Et Yeshua dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient en lui. Ouais, donc, pour reconnaître que, pour savoir si tu es réellement enfant de Dieu, n'est-ce pas, regarde la vie que tu mènes. Parce que la vie que nous menons, n'est-ce pas, est proportionnelle aussi à la semence que nous avons reçue. Quelle est la semence qui règne en toi? Quelle est la semence qui coule dans ta vie? Quelle est la semence qui coule dans ton sang? Est-ce que c'est la semence du péché? Est-ce que tu as du mal à te séparer de l'impudicité? Est-ce que tu as du mal à renoncer au mensonge? Est-ce que tu as du mal à renoncer à la haine, à la jalousie? Ouais, un peu. Cette semence-là, frère, te met en danger. Parce qu'elle t'est loin de ton Créateur. Et lorsque nous recevons, n'est-ce pas, la véritable semence, frère, alors elle produit en nous une autre nature, une autre vie, la vie de sainteté. Alors nous marchons dans la sanctification, dans l'amour, dans le pardon. Vous voyez? Donc la semence de Yahweh en nous, n'est-ce pas, ne nous laisse pas, ouais, un peu comme on était dans le passé. Non, elle apporte un changement. Elle vient d'abord détruire le péché. Donc ce n'est pas d'abord, n'est-ce pas, de faire de nous des hommes ou des femmes qui courent après les bénédictions. Non, la Bible nous dit, cherche premièrement le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que le Seigneur veut, c'est d'abord, c'est que nous soyons en contact, en connexion, n'est-ce pas, avec le royaume des cieux, que nous puissions recevoir le royaume des cieux, n'est-ce pas, dans notre vie. Et toutes ces choses, donc ces choses-là, viendront après. Donc ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le royaume. Alors voilà pourquoi Yeshua, Jésus dit dans sa parole, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, s'il perd son âme, vous voyez un peu? Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir autant d'argent, autant de voitures, autant de maisons, mais cela ne te garantit pas la vie éternelle. Tu peux mourir, n'est-ce pas? Et ta vie peut basculer, n'est-ce pas, de la terre en enfer, en un laps de temps. Et c'est le temps, n'est-ce pas, où nous devons nous réveiller du sommeil. Nous devons exactement, n'est-ce pas, nous interroger sur, n'est-ce pas, l'état de notre vie. Et où est-ce qu'on passera notre éternité? Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un chemin que tu es en train de tracer qui va te diriger, soit en enfer ou au ciel. Alors voilà pourquoi on a besoin, n'est-ce pas, de recevoir Yeshua, n'est-ce pas, en écoutant l'évangile, la vérité. Ouais, c'est l'évangile du salut, l'évangile de notre salut, qui est basé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et non sur les hommes, et non sur les principes, n'est-ce pas, établis par des hommes. Non, ces choses-là, n'est-ce pas, nous avilissent, ces choses-là nous rendent esclaves des hommes. Alors, frères et sœurs, être enfant d'Élohim, être enfant de Dieu, n'est-ce pas, c'est recevoir Yeshua. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion, ce n'est pas le fait d'appartenir à un bâtiment, ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, d'appartenir à une secte quelconque, non. C'est recevoir Yeshua. Et quand Jésus-Christ, quand Yeshua est en toi, alors Yeshua va produire sa nature dans ta vie. Il y a un changement. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est venu pour ôter, pour détruire la semence du diable en nous. Ça veut dire que la semence du péché. Donc en fait, il va mettre en toi, n'est-ce pas, une autre semence. Cette semence-là va t'amener à haïr le péché. Vous voyez, ce n'est pas possible, n'est-ce pas, d'être enfant d'Élohim, n'est-ce pas, et continuer à fréquenter, par exemple, les boîtes de nuit. Ce n'est pas possible. C'est pas possible d'être enfant d'Élohim, n'est-ce pas, et continuer à pratiquer le mensonge, à vivre dans les vices, non, dans le dérèglement, non. Ça doit, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie, il doit y avoir un changement dans ta vie. Alors, et si tu n'as pas constaté ce changement, frère, sœur, alors pose-toi la question si tu as réellement reçu, n'est-ce pas, hein, le Seigneur de gloire, Adonai, Elohim. Ouais, c'est pas possible, n'est-ce pas, de le recevoir et demeurer la même personne. C'est pas possible. Alors, bien-aimé, alors c'est le moment, n'est-ce pas, de nous examiner.
Quel est le fruit que tu portes? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu as réellement rencontré ton Créateur? Est-ce que tu es réellement enfant d'Élohim? Est-ce que tu as fait la paix avec ton Créateur? Parce que sans Yeshua, n'est-ce pas, il n'y a point de rédemption, il n'y a point de salut. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est celui qui nous a été donné, à savoir Yeshua. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est non plus une dénomination, non. C'est rien qu'en Yeshua. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire la paix avec Yeshua. Et c'est lorsque nous recevons Yeshua que nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, lorsque nous devenons enfants d'Élohim, n'est-ce pas, et nous devons persévérer, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Oui, nous devons persévérer. Il y en a qui ont reçu Yeshua et au bout d'un moment, n'est-ce pas, ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, comme nous le disent les Écritures. Un peu, mais Yeshua leur tend la main. Notre Seigneur, n'est-ce pas, ne condamne pas. Notre Elohim, notre Papa ne condamne pas. Alors, si tu as reçu Yeshua et que tu es retourné, n'est-ce pas, à tes vomis, alors frère, soeur, ne te condamne pas. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Alors, nous avons un merveilleux Papa. Ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, c'est que tu puisses, n'est-ce pas, revenir dans la maison, que tu puisses te rendre compte que ce que tu as fait, la vie que tu as menée n'est pas bien, te repentir, demander pardon et revenir. Il va ouvrir grandement ses mains et il va t'embrasser parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas, n'est-ce pas, la mort des hommes. Il veut plutôt que tout homme, n'est-ce pas, soit sauvé. Alors, souvenons-nous, n'est-ce pas, dans la Bible, n'est-ce pas, la parabole du fils prodigue qui avait pris les biens, n'est-ce pas, il a pris son héritage, il allait gaspiller avec les prostituées, il a mené une vie qui n'était pas bien. Et après, n'est-ce pas, dans sa souffrance, alors il s'est rendu compte que même le dernier des esclaves, les serviteurs de son père, n'est-ce pas, ne vivait pas comme il vivait. Il a pris la résolution de retourner. Et la Bible dit que le père, lorsqu'il a vu son fils revenir, n'est-ce pas, il était ému de compassion, alors il a embrassé. Voyez un peu, c'est l'image du cœur du père. Un père qui aime, un père qui veut sauver, un père qui veut restaurer, un père, n'est-ce pas, qui veut guérir. Alors, notre Yahweh n'a pas changé. Alors, certainement, la situation qui te dérange aujourd'hui, frère, sœur, si tu as du mal à t'identifier, si tu as du mal à te retrouver, regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu veux te marier, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais regarde la vie que tu mènes. Est-ce que tu es sûr que tu pourras être une femme digne dans ton foyer? Alors, est-ce que tu es sûr que l'argent que tu cours après, n'est-ce pas, l'argent là, c'est réellement cet argent là qui apportera le bonheur dans ta vie? Non, tu as besoin de Yeshua. Quand Yeshua vient dans ta vie, il apporte un équilibre. Il apporte, n'est-ce pas, ce que le monde ne peut nous donner, ce que les hommes ne peuvent nous apporter. Il apporte autre chose, ce dont réellement nous avons besoin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on a besoin, n'est-ce pas, de rencontrer ces créateurs. On a besoin de rencontrer ces merveilleux papas, ces merveilleux sauveurs, pour que notre vie change. Et il n'y a que Jésus-Christ, Yeshua, n'est-ce pas, qui peut sauver, n'est-ce pas, qui peut te sauver, qui peut nous sauver. Oui, on a besoin de Yeshua. Donc, on a compris que, en fait, pour devenir enfant, n'est-ce pas, de Elohim, oui, enfant de Dieu, alors nous devons recevoir Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Alors, si tu n'as pas reçu Yeshua comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, alors, frères et sœurs, arrêtons, n'est-ce pas, de nous tromper. Un peu, nous ne sommes pas enfants de Elohim. La Bible nous a dit dans 1 Jean 3 que c'est là où se font reconnaître, 1 Jean 3, versets 8 à 9, c'est là où se font reconnaître les enfants de Elohim et les enfants du diable. Ça veut dire, quiconque pratique le péché, la Bible dit qu'il est du diable. Donc ça veut dire que si tu vis consciemment, délibérément dans le péché, la Bible dit que tu es du diable. Et la semence du diable en toi, n'est-ce pas, te pousse à vivre dans le péché. Et si tu as reçu Yeshua, frère, il n'est plus possible que tu continues à demeurer, n'est-ce pas, dans le péché. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu, n'est-ce pas, c'est un Dieu qui ne peut pas vivre dans le péché. Il ne peut pas cohabiter avec un corps, n'est-ce pas, dans le péché. En Yeshua, n'est-ce pas, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire que soit tu es de Yeshua ou soit tu es de l'autre côté. Alors, pour connaître si tu es de Yeshua ou si tu es du diable, alors tout simplement, tu dois t'appuyer sur la parole. Ça veut dire que si tu vis dans le péché, alors comprends que tu as besoin, n'est-ce pas, de Yeshua. En fait, tu n'as pas encore reconnu, tu n'as pas encore reçu Yeshua dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Donc, littéralement, tu n'es pas enfant d'Elohim, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors donc, que le diable ne te trompe plus, que le diable, n'est-ce pas, ne te mette plus dans cette prison. Ma prière est que ce soit que les écailles de nos yeux tombent, que les écailles tombent, que nous sortons, n'est-ce pas, de l'endormissement. Réveillons-nous. Réveillons-nous, le temps est mauvais.
nous sommes à la fin de toutes choses. C'est le temps de nous réveiller en fait du sommeil. Nous devons sortir du coma spirituel. Nous devons sortir du coma dans lequel nous sommes. Beaucoup sont endormis. Beaucoup sont, n'est-ce pas, captivés par le mensonge, par la séduction. Nous devons nous réveiller. Regarde à ta vie. Il n'y a que Yahushua seul qui est capable de pouvoir te changer. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et c'est possible. Alors, Yahushua, ce n'est pas ton argent qu'il veut. Ce n'est pas d'abord tes biens. Ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est ton cœur. Alors, la Bible nous dit dans Apocalypse qu'il cogne, il se tient à la porte de notre cœur. Il cogne, comme ce soir. Toi qui écoutes cette émission en direct, certainement tu t'es beaucoup interrogé sur cette question. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur a apporté, n'est-ce pas, des éclairages pour savoir réellement qui est enfant de Dieu, enfant d'Elohim et qui ne l'est pas. Alors, aujourd'hui, tu es éclairé. Alors, ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de résister à l'appel de ton Créateur. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, d'être interrogé là-dessus. Alors, regarde à ta Bible et va prier. Et ton Père Céleste, ton Créateur, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, va t'éclairer. Va t'éclairer. Il y en a que le Seigneur interpelle dans ces temps de la fin. Il y en a que le Seigneur parle directement, n'est-ce pas. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle directement à ton cœur. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu renonces au péché. Il veut que tu quittes le péché. Mais tu raisonnes. Tu raisonnes. Pourquoi? Parce que on t'a dit, on t'a donné un évangile faux, soi-disant que non, Dieu est amour, il ne peut pas accepter que l'homme qu'il a créé aille en enfer. Non, frère, c'est un mensonge qui sort tout droit de l'enfer. Si il fallait que chaque personne, n'est-ce pas, malgré la vie qu'on mène sur terre, n'est-ce pas, après ta vie sur terre, tu vas au ciel, alors où est l'importance, n'est-ce pas, du sacrifice de Yahushua à la croix? Où est l'importance, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Si Yahushua est venu mourir à la croix, c'est parce que le péché a des conséquences néfastes. Le péché a des conséquences terribles. Ouais, le péché, n'est-ce pas, va t'amener à vivre une éternité dans un lac de feu en enfer. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Voici l'évangile. Alors, ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, c'est que nous serons tous sauvés, n'est-ce pas, par le moyen, n'est-ce pas, la connaissance de la vérité, et la vérité qui n'est rien d'autre que la personne de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua. Il n'y a que Jésus, n'est-ce pas, qui est capable de pouvoir te sauver. Donc, accepte Jésus. Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de nous fier à ce que les gens nous disent. C'est le temps où chacun, n'est-ce pas, doit rechercher réellement qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce que mon Créateur attend de moi, quel est le plan de mon Créateur, n'est-ce pas, par rapport à ma vie. Alors, et tu ne peux avoir les réponses, n'est-ce pas, nulle part ailleurs que si c'est sur la parole. Ouais. Donc, c'est nécessaire, n'est-ce pas, de revenir aux Écritures, de nous réveiller du sommeil. Réveillons-nous du sommeil. Prenons le temps de méditer la parole. Prenons le temps de consulter notre Créateur, notre Elohim. Alors, si c'est celui qui nous a créés, frère, si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il est aussi capable, n'est-ce pas, de pouvoir nous parler, de pouvoir nous donner des directives, de pouvoir nous orienter. C'est le moment de le faire, car le temps est mauvais. Yahushua est à la porte. Ma prière, bien-aimé, est que ce soir, chacun de nous, n'est-ce pas, saisisse ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous voyez un peu? Alors, donc, à partir, n'est-ce pas, au travers de cet enseignement, frère, nous devons comprendre que ce que le Seigneur attend de nous, vous voyez, c'est que chaque personne puisse rentrer en lui-même, que tu puisses t'examiner. Ta conscience, vous voyez, le premier juge de l'homme, c'est la conscience. C'est-à-dire que ça, ta conscience doit t'interpeller parce que tu sais réellement qui tu es. Tu connais la vie que tu mènes, malgré les assemblées que tu fréquentes, malgré le fait que tu sois chantre, malgré que dans ton cœur il y a cette illusion que tu penses que tu es enfant d'Elohim, que tu es enfant de Dieu. Ou un peu, ce soir, n'est-ce pas, le Seigneur a permis au travers de cette émission, réveillez-vous, ou un peu, que tu sois éclairé. Alors, sortons, n'est-ce pas, du mensonge, sors de ce mensonge, sors de cet assoupissement. Alors, c'est le moment où, c'est le temps où tu as besoin d'être éclairé et de prendre, n'est-ce pas, la bonne décision, la bonne résolution, celle de suivre Yahushua comme Seigneur et Sauveur. Que la paix et la grâce de Yahweh soient avec nous et que le diable ne nous maintienne plus dans l'ignorance. Au nom de Yahushua, ma prière est que tous ceux qui sont endormis et que tous ceux qui sont encore asservis par le péché, tous ceux qui sont encore, n'est-ce pas, ensemencés par cet évangile faux, je prie, n'est-ce pas, qu'il y ait un réveil, que vous sortiez, n'est-ce pas, de cet endormissement au nom de Yahushua et que chacun de nous, n'est-ce pas, se dirige tout droit, n'est-ce pas, vers notre Créateur, vers celui, n'est-ce pas, qui nous a créés et qui a prévu et qui a préparé un plan merveilleux pour nous. Et notre Créateur n'est rien d'autre que Yahushua. Alors, frères et sœurs, à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis et encouragés. Au nom de Yahushua. Amen.